Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo aujourd'hui. On va faire une vidéo que j'ai déjà faite, les idées cadeaux, partie 2 aujourd'hui. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous et surtout activez la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Sur ce, sortez votre calepin et un crayon et vous pouvez noter les idées que vous aimeriez offrir à vos membres de votre famille, chum ou ami. Sur ça, bon bisamment à tous. Et voilà. Pour commencer le premier article que vous pouvez toujours offrir à n'importe qui, c'est si vous manquez d'inspiration comme moi, vous pouvez acheter des cartes cadeaux pour vos membres de votre famille, soit de 15, 25 ou 50, soit de chez Tim Hortons, soit chez Renaud Blais. Ou soit le magasin préféré à ma mère, la SAQ, la Société des alcools du Québec. Et pour les personnes qui cherchent un réveil matin stylé, que j'ai trouvé sur Amazon à 39$. C'est un réveil matin, vous ne bougez pas. C'est un réveil matin qui indique la température de ta chambre et le pourcentage comme ton téléphone est rendu. Et dessus, il y a un petit projecteur qui peut marquer, qui peut inscrire au plafond en haut l'heure. Je vais vous faire un petit exemple. Et voilà. En ce moment, il est 3h08. Va sûrement être en envers dans la caméra, mais bon, on va faire avec. Ça, c'est le petit réveil matin à 39$ que vous pouvez vous procurer sur Amazon, ou sinon des cartes cadeaux de 25$ que je vous ai montré également. Ou l'autre affaire, pour ceux-là qui ont des équipements audio, vidéo, ou sinon qui chargent quoi pour une petite valise, un petit sac de transport ou sinon pour le camping. Il y a ça aussi que j'ai pris chez Ganazin Tire. C'est un sac, deux sacs je pense. Ouais, c'est un sac de 24 pouces. C'est un sac de 24 pouces qui est très compact. Ça ressemble un peu à ça quand il est déballé. Ça c'est toujours pratique pour le camping, la randonnée ou tout équipement de sport que vous cherchez un sac, vous pouvez le prendre chez Ganazin Tire. Et en ce moment, il est en liquidation à 9,99$ avec les taxes, c'est à 11$ quelque chose avec les taxes chez Ganazin Tire dans l'allée camping. Une autre affaire, dans l'autre vidéo, je vous ai présenté un kit de selfie. Pour faire des selfies, un gros kit avec un trépied à selfie. Et j'en ai trouvé un que vous pouvez mettre sur votre téléphone sans fil. Un selfie avec un rond lumineux. Que j'ai payé ça 4$ chez Tigre Géant. De choix la couleur rose, noir ou blanc. Moi, je l'ai pris blanc. Et ça s'installe comme ça sur votre téléphone. Et ça vous donne une petite prise micro USB pour le charger inclus. Mais c'est juste le fil et non le bloc. C'est toujours pratique. Et surtout, je l'ai testé. Puis ça va super bien. Ça, je vous le conseille fortement. Ou sinon, le prochain. Pour ceux-là qui ont le bec sucré ou bébête à sucre, comme moi, vous pouvez surtout offrir des chocolats Linda. Pour l'instant, ceux-là, c'est de l'édition illimitée que j'ai pris chez Walmart pour 5-6$ de la boîte. Tu choisis ceux-là que vous pouvez prendre. Ou sinon, d'une boîte que tu peux faire varier. Linda, la boîte mauve, comme ça. Ou sinon, t'as la boîte rouge, noir,
et des autres couleurs de Lindor. En parlant de Lindor, je vous dis, je vous annonce les prochaines vidéos, ça va être quoi qui va sortir. Il va y avoir une vidéo que je vais tester toutes les sortes possibles de Lindor. Et, et aussi, ça c'est une vidéo juste de Lindor. Il va y avoir une vidéo aussi qui va peut-être sortir après les fêtes ou avant, ça va dépendre comment ça va aller. Qu'on va tester des sortes de kick-kack, que ce soit japonais ou québécois, plein d'enfants même. Ça, j'ai déjà à l'orange. On va pouvoir tester ça ensemble. Pour ça, je vous montre ça en avance aujourd'hui. Ça fait partie aussi d'une vidéo. Alors, une vidéo Lindor, une vidéo kick-kack, et surtout une vidéo qu'on va tester des collations de Noël. Ça se tend bien, les collations de Noël. Entre autres, des pâtes douces au pain d'épices. Oh, on va le mettre en français. Au pain d'épices, ces pâtes douces-là. Et surtout, au moins surtout, on va tester les M&M version Noël que j'ai été chercher aujourd'hui chez Walmart, celui à Le Bourgneuf. Et c'est vrai, il manquait un cadeau que vous pouvez offrir, que j'ai pas dit, j'ai oublié de le mentionner, excusez-moi. C'est les fameuses tasses de Noël de ma boutique en ligne. Que, oubliez pas, ah c'est vrai, oubliez pas avec ça, il y a un concours que vous pouvez participer sur ma page Facebook de photographe et sentiment. Où sont dans mes stories et quoi, des fois de temps en temps, pour gagner une tasse pour Noël. Pour participer, c'est très simple. Très simple. 1. Aimez et abonnez-vous à la page Photographe et sentiment. 2. Marquez votre plus beau cadeau de Noël que vous aimerez avoir un jour. Ça sera un rêve ou que vous aimerez avoir un jour, ça soit un cadeau qui est donné ou pas donné, qui coûte très cher. Sur ça, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo et je vous réserve peut-être, si j'ai le temps, deux hacks TikTok pour ma série des hacks TikTok que j'ai commencé. J'ai fait le premier, le nachos au moins de 5$ chez Subway. Deuxième, c'était un Sprite avec des Skittles dedans. J'ai déjà fait deux premiers. Et les prochains hacks TikTok, ça va tout ça. Goûter à des Cheetos avec une sauce ranch, alors que c'est bon. Et là, c'est un beigne, mettre un beigne dans un gaufrier. Ça aussi, c'est bon. Si vous voulez avoir ça dans les prochains, si vous voulez voir ça, abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Activez surtout la petite cloche. Et surtout, soyez prudents et écoutez les nouvelles consignes du gouvernement pour freiner le variant Omicron. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!